Zombie apocalypse. Bon match. Pour être précis, pour vous servir, pour vous faire vivre ce match, le duo Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva. Bah après, si tu veux, je prends la Belgique. Bah là, je voulais tester les champions du monde. Ici, un magnifique spectacle qui se prépare sans aucun problème. Bah là c'est pas équilibré en ma faveur là, j'ai le champion du monde, toi t'as les perdants là. Ils savent pas tirer à penalty frère. Ça c'est la théorie. Mais on les connaît. On verra bien. On va commencer à calculer la victoire et rien d'autre. Excellente intervention dans la surface. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Dans le but, Hugo Lloris, Lucas Hernandez avec Kimpembe en défense centrale, Christopher Nkunku. Allez, Messi, futur ballon d'or, bro. Kylian Mbappé. Bah, mais... Meilleur joueur de quoi? Ouais, bien fait, il est passé. Sans souci pour le gardien. Ouais, mais ils sont pas rapides, hein. Ils sont pas rapides. Il y a moyen que tu me prends comme ça, mais. Il faut lui proposer des solutions là. Bah, je pleure pas, gros. C'est qui pleurait quand Messi a levé la coupe? C'est pas moi. Ouais, ballon pour une frappe. Ah non, c'est contré. Tu crois? Mbappé. Benzema. Le ballon pour Koundé. Oh Martinez, Martinez, il a fait la petite danse là, les épaules. Ah, il bien frappé ce corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Numéro 10 sur le rat et Dybala. Enzo Fernandez. Léo Messi. Dans le couloir, Paolo Dybala, il a du champ. Fernandez. Oh, Di Maria, il va plonger, il va prendre un penalty encore. Ça continue avec De Paul. Non, putain, je suis trop. Ah, j'ai trop chipoté. Tagliafico. Non! T'as si le passé, ballon. C'était. Et Coman reçoit le ballon. Attention, la caisse, la Coman. Intervention du gardien. Mais vrai. Ça corner bien joué, bien frappé. Ouh, il est manqué, se dégage. Non, attention, t'inquiète, je prends une galère, gros. Oh! Allez, vas-y, dégage devant. Bon, comment ça, elle sort? Comment ça? C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Le tir de Benzema, tir contré sans difficulté. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Tu trouves? T'inquiète, nous on a bien les sous l'eau comme ça, on en apnée, tu vois, tac. Et puis on sort la tête et ouais, voilà, nous on se relève, nous on est comme ça. Oh, c'est un bon ballon ça. Une frappe en fort. Oh, mais qu'il est nul. C'est lui le meilleur joueur du monde? C'est là qui joue en Ligue 1 là? Messi. Incroyable. Bien fait ça, sans faute. C'est le nain de Buenos Aires. Et c'est Pogba qui vient récupérer. Le ballon pour Kylian Mbappé. Bah, la France, elle a des occasions, mais ça rentre pas. Tagliafico. Et ça joue avec Messi. Avec Lautaro Martinez. Et le gardien s'en saisit, c'est bien joué. C'est un ballon intercepté. Ah, mais c'est à la fin qu'on regarde le score. Bah, après 33 minutes.
Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Oui, oh bordel, dommage. Allez, 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 Messi. Un bon pressing, ballon récupéré. Et le gardien s'en saisit sans trop de problème. On le voit avec les statistiques, mais on le voit aussi sur le terrain. Ça manque d'une certaine... Ouais, mais c'est anticipé, bro. ...favorable à la création. On attend beaucoup plus de leur part. Tagliafico. Messi. Ça joue vers Lautaro. Lautaro Martinez. Ouh, Lautaro dans la surface. Non. Oh putain, non, je crois que t'allais sortir le gardien. Le ballon en touche. Tagliafico. Et c'est en direction de Lautaro Martinez. Et ça joue avec Messi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce contrôle, gros? Finalement, le ballon lui échappe. Un peu comme Mbappé. Porsche. Pogba. Chouameni. Ah, il faut s'appliquer sur la passe. C'est perdu. Mais il a que ça, Mbappé. Il a que sa vitesse. Et ça joue avec Messi. Mbappé qui cherche l'espace. Angel Di Maria. Et c'est vers Paolo Dybala. Lautaro Martinez reçoit le ballon. Et la parade, mais c'est pas fini. Et ça n'ira pas plus loin. Passe à l'adversaire, ça c'est pas bon du tout. Et ça joue vers Lautaro. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Voilà, champion du monde. Lautaro Martinez. C'était un rêve. Grosso. C'est une réalité. Viva Argentina. Où sont les bleus? Je vais faire une petite poupée avec la tête d'Mbappé là, après le match là. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la... Je n'entends plus le français là, il est où là? Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté, voilà le début de la seconde période. Un ballon intercepté, bonne intervention. Ah, dommage. Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Ouais, non. Un pressing efficace. Oh, attention à ce ballon. Et le but. T'as eu un contre, hein, dommage. La marge pour le titre se réduit. Mais la tendance est négative pour cette équipe. Tout s'est fragilisé. Le score de parité est donc un partout. Ah bah justement, il n'y a que lui dans l'équipe de France. Lautaro Martinez. Il n'y a que lui dans l'équipe de France. Bien anticipé. Non, même toi tu l'as dit, ça peut venir de qui d'autre à part lui. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Bah non, c'est Messi gros. Avec Kylian Mbappé. Impeccable le timing, l'interception est magnifique. Nkunku peut-être pour reprendre. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ouais, superbe défense. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. C'est quoi cette voix, gros? Voilà, mais tu me déconcentres, tu fais des voix de marabout là. Dybala avec le ballon. C'est pas terminé, gros. Ça partait bien, mais le ballon change de camp. Lautaro Martinez reçoit le ballon. Ouais, bien défendu, sans faute.
Et ça joue avec Messi. Ah, la menace était réelle et la récupération est décisive. Les stats nous montrent que la possession n'est pas pour les Bleus. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir le ballon tout le temps pour être dangereux. Ce qui compte, c'est de faire quand tu te retrouves avec le ballon dans tes pieds. C'est l'intelligence de la passe et du déplacement qui compte. Attention, Kylian Mbappé. Elle a frappé bonne, ça passe de peu à côté. C'est lui ? L'arbitre, elle a vu la faute, mais elle laisse jouer. Léo Messi. Le danger dans la profondeur. Kylian Mbappé. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre. Stoppé. Rendu à l'adversaire. Mais qui peut me stopper ? Renier. Mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper ? Très bonne intervention. Aurélien Tchouaméni avec la balle. Pour Nkunku. Attention, Kylian Mbappé. Oh non ! C'est un cauchemar ce dernier match. Mais il est pas incroyable, c'est un but tout simple, gros. C'est pas un but de fou. Hein. La déception est immense. On les comprend. C'est terrible de perdre un titre dans le dernier match comme ça. Après avoir fait une revanche, t'inquiète. Équipe de trans. Et le ballon pour Messi. Et ça revient sur Lionel Messi. L'occasion de revenir. Et oui, voilà ce but. Sans doute pour amorcer une remontada. C'est le meilleur joueur du monde, bro. Frappe surpuissante. On le revoit sur ces images. Et quelque part, on s'est dit. Oh, le jeu technique qu'il t'a mis juste avant, gros. Il ne soit pas interposé. Il a pu. Il t'a éliminé. 3-2. Donc, au tableau d'affichage. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. Et Coman reçoit le ballon. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des... On va faire encore d'autres changements avec Raphaël Varane qui va venir supplier Hernandez. Oh lolo. Pourquoi ? J'avais N'Golo Kanté, je l'ai pas mis quoi. Ah ouais, N'Golo. Mais comment il s'appelle ? Kanté. Ah, si. Maestro Kimpembe. Il est pas là Kimpembe ? Ah si, je le vois là, le numéro 3 là. Ah voilà, ça va bouger du changement à venir pour les deux équipes. Léo Messi, Paulo Dybala. Guido Rodriguez. Paulo Dybala. Ah, le ballon repoussé n'est pas maîtrisé. Oh non. Absolument décisive. Dybala avec le ballon. Non, 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 3-3 mon gars, comme la finale. Ah, c'est le tien gros, je te jure. C'est ton micro qui bug gros. Hein. Bah j'écris pas. Et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comment ça, c'est absolument imparable. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. C'est peut-être la dernière chance pour aller chercher ce petit but qui sera une dégâts. Allez, mange! Et voilà le but! Ce but qui vient! Peut-être offrir le titre. C'est la remontada, mon bro. La joie est au
Champion du monde, on t'a dit. Champion du monde. Attention, mais ce n'est pas fini cette histoire. Papou Gomez. On le sait bien. Ce genre de centre fort à ras de terre, c'est très dangereux parce que c'est très compliqué à défendre. Ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression ou fixer la défense et à prendre le foot en classe. Olé. Le numéro 19. Paolo Dybala. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Le numéro 7, Antoine Griezmann. Pogba. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Ah, la position. Ah, le terrain n'est pas assez grand. Il pue la merde. Je fais Martinez, gros. Ballon perdu, c'est rendu même. Ah, il est pressé, Acuna. Dybala. Ouais, c'est propre, sans faute. Ah, bien joué dans la profondeur. Et 2 minutes minimum de temps additionnel. Et le contre est possible maintenant. Le ballon pour Di Maria. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Ah oui! Ah oui! Viva Argentina, les champions du monde! Messi, Messi! Ah, ça cherche des petites excuses! Ok, on se retrouve tout de suite pour la revanche! À l'Orange Vélodrome, pour être précis. Omar, et oui, c'est lui, Benjamin, bien sûr, c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. Et la tension est palpable ici avec ce match qui promet d'être très intense. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale. C'est un match magnifique qui s'annonce. Oui, un épisode difficile lors du dernier match. Il faut effacer ce mauvais souvenir par une prestation colorée et un résultat favorable aujourd'hui. Le ballon pour Benzema. Karim Benzema dans la surface. Et le but, quelques minutes de jeu et déjà les filets tombent. C'est bon pour le spectacle. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. Peut-être un coup à jouer pour Bruno Fernandes. Oh, l'égalisation peut-être. Pas bien défendu Koundé, mais c'est pas terminé. Ouh, la perte de balle de Kanté. Ah, oh, le ballon intéressant. Et c'est le but. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Bruno Fernandes. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Et oui, c'est bien jailli là en soutien. Le ballon récupéré. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Et Coman reçoit le ballon. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oui, c'est bien, l'intervention là, elle est décisive en plus. Le ballon vers Joao Félix. Mbappé. Mbappé perd le ballon. Bruno Fernandes.
Juan Cancelo à la réception. Bruno Fernandes reçoit le ballon. Ballon pour Danilo Pereira. Oui, c'est contré, bonne défense. Ah, il y a une faute, l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Qui se détend pour repousser ce ballon. C'est bien parti pour ce corner. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Joue en Cancelo à la réception. Voilà le bon geste défensif, c'est contré. Joue en Félix, reçoit le ballon. Ah, la défense est battue. Et oui, c'est dedans. Voilà ce but qui redonne vie à cette équipe et qui relance le match. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Paul Pogba. Et Pogba là qui perd ce ballon. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Ah, le pressing est efficace là. Ah, le ballon est contré. Eh ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. N'Golo Kanté. Ah, c'est pour N'Golo Kanté. Ah, les partenaires arrivent et le ballon est magnifiquement conservé. En attendant. Vercoman, sans doute. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Bruno Fernandes. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah, du mouvement pour exploiter ce ballon. Allez, le but pour un exploit. Ils ont comblé leur retard. Et les voilà à égalité. On revoit sur ces images la passivité incroyable de la défense qui est incapable de gérer correctement cette situation. Personne ne communique, ne se parle et au final, c'est l'adversaire qui en profite. C'est un but pour le Portugal. Cette équipe l'a fait, elle n'a jamais renoncé, elle est revenue au score. C'est un autre match qui commence maintenant. Bien vu la passe de Bruno Fernandes. Il y avait de l'idée dans cette attaque mais le ballon est perdu. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Attention à ce ballon. Et le ballon bien claqué par le gardien. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Rugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cette incursion. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Danilo Pereira. La balle pour Rafael Leao. Attention à cette passe. Oh, le but incroyable. Quel délire. Quelle folie. Comment est-ce possible. Mais comment font-ils. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Ah, le score est maintenant de 3-2. Presnel Kimpembe. Le ballon vers Kanté. Ouais, bien joué, le bon mouvement là. Avec Kylian Mbappé. Oh oui, Patricio, le sauvetage. Ballon pour Nkunku. Eh oui, avec Mbappé. Ballon qui revient sur Nkunku. Elle la frappe peut-être pour égaliser. Oh, le super geste défensif. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Une minute d'arrêt de jeu minimum.
Bruno Fernandes. Attention à cette passe. Et ça joue avec Bruno Fernandes. Oh, la bonne parade. Allez, bien frappé ce corner. Ah non, c'est contré. Allô pour Pep. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois en train de porter toute son équipe. Quelle première période! Pour lui, c'est déjà 2 buts à son compteur. Eh, il faut s'élever et applaudir. Et c'est même pas encore fini. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Avec Kylian Mbappé. Oh, Mbappé, pourquoi pas une frappe ? Bonne intervention pour éloigner le danger. João Félix. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Avec Karim Benzema. La situation est loin d'être désespérée. Le public l'a senti et transmet une incroyable énergie à ses joueurs. Et la passe dans le dos de la défense. Attention, personne pour défendre à la tombée de ce centre. Et le but, mais qui va être refusé. Dommage, c'était vraiment bien fait. Et oui, ce hors-jeu, ça se joue à peine à l'épaisseur d'une carte bancaire. Presnel Kimpembe. Kanté. Ah, c'est en direction de Benzema. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Et c'est dedans. Le but pour le doublé, magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Et on le voit, hein, les chiffres de la possession sont très proches. Le ballon va de gauche à droite sans s'arrêter. On a même l'impression que le terrain est penché de deux côtés tellement les actions s'enchaînent. Ça nous fait vraiment un magnifique spectacle. Une très belle publicité pour le football. On se régale. Hey, regardez, peut-être une occasion là justement. Et il remporte son duel, bien défendu. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Le ballon pour Théo Hernandez. Centre vers Mbappé. Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Le corner. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ah, la frappe est contrée. La deuxième chance, nouveau corner.
corner qui est bien ajusté. C'est dégagé, aucun problème. Intervention défensive, le ballon en touche. Le ballon sort, c'est une touche. Oui, bien joué, le centre vers le premier poteau. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Joao Cancelo. Cristiano Ronaldo. Bien défendu, le ballon est récupéré. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et ça joue vers Benzema. Excellente intervention. À la réception, Nkunku. Attention pour mener au score peut-être. Et quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe reflet. En général, à cette distance, ça fait but. Ah, le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. C'est bien parti pour ce corner. Attention, c'est pas terminé. Ah non, ça s'arrête là. Joue en Cancelo. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Quelle intervention! Mbappé. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Et ça arrive sur Mbappé. Avec Karim Benzema. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Ballon pour N'Golo Kanté. Et ce ballon qui sort et c'est donc un corner. Corner. Oui, le tir. C'est capté là sans aucune difficulté par Rui Patricio. Joao Félix. Occasion de la dernière chance. Peut-être le but du chaos sur cette conclusion. Grosse occasion là. Oh, c'est dedans. Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable! Et cette fin de match avec un but qu'on n'attendait plus et qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts! Ah, ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Ah, la défense, elle est sous haute pression là. Ah, le pressing est efficace là.
Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Bon ballon, il faut s'appliquer maintenant. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps dans la position et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. C'est joué par Pogba. Ah, la claquette pour dévier le ballon. Magnifique. Allez, c'est un nouveau corner. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Nous on fait un petit peu avancer là dans le couloir. Passe coupée au bon moment, bien joué. Ruben Dias. Le ballon pour Nuno Mendes. Pep. Nuno Mendes. Carvalho avec le ballon. Nuno Mendes reçoit le ballon. Cristiano Ronaldo dans la surface. Et le juge de ligne là qui lève son drapeau pour un retour de position de hors-jeu. Oui, mais c'est donné un peu trop vite aussi. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Bernardo Silva. Et ça a l'air bien dosé, ça. Cristiano Ronaldo. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. L'arbitre cible la fin du match. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's